Ok, bienvenue à tous dans l'épisode 6 du T-Rex terrorisant Primal. Bah écoutez, voilà, j'ai pas fait de cris parce que vous entendez qu'il y a des cris, il y a des gros cris, il y a des petits cris, il y a des cris un peu partout. J'arrive à Trois Rochers là. Moi en vrai, j'ai envie de me poser un peu, vraiment mener une vie de T-Rex à peu près normale. Je pense que mon service militaire, je l'ai terminé en beauté contre les gigas. Donc maintenant, bah, go mener une vie normale, tout simplement. Écoutez, on va se poser par ici là. M'a l'air bien. M'a l'air plutôt pas mal, hein. Non? Y a quoi là? Y a un truc devant moi là? Mais c'est un tricératops? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Bah, défends-toi, frère. T'allais faire pipi? T'allais faire caca? Tu fais quoi, hein? Pourquoi y a un triceratops tout seul qui bouge pas, là? Ouais, mais ça marche pas d'être AFK, en fait. C'est pas une défense, hein? C'est carrément pas une défense. Vas-y, c'est carrément pas une défense le trike là. Sors de là! Je croyais que c'était un giga au début. Je suis devenu fou à cause des gigas là. Eh, 6 déco! 6 déco, les gars. Le prochain AFK, je le bute. J'aurais plus. Ah! Au moins, il est pas déco. Je suis désolé, gros, mais au bout d'un moment. Faut pas aller faire pipi ou pop au popo quand t'es in-game, bro. Et ouais, je sais. C'est terrible. Perdre ta prog comme ça là. Mais faut pas, hein. Je suis désolé, frérot. Déjà, je t'ai pas tué. Je t'ai laissé une chance de te défendre. Ok, je vais attaquer quand je serai de ce côté, comme ça je ne me coince pas dans les arbres derrière. M'en fous, de toute façon il va me toucher, hein, c'est sûr. Tu veux pas te défendre? Mieux? Qu'est-ce que tu fais? Il est pas bien là, en vrai. Hein. Ouais, ça va pas trop. Ça va pas trop, gros. Je fais un peu de la merde là, non? Ouais, je fais un peu de la merde. Mais jamais il crève. C'est incroyable ça. Eh ben quand même. C'est chaud quoi! Faut pas mourir lui! On va se faire un petit nid. Je vous dis, on reprend la vie normale. Il y en a marre de la guerre. Bon là ça se voit pas trop pour l'instant. Vas-y par contre stop le nid là. Ok. Va falloir se pousser. Se bouge, je sais pas ce que c'était. Ok. Se poser, pardon, pas se pousser. Voilà, écoute, je fais un petit nid tranquille, j'ai ma carcasse à côté. Voilà. La vie du T-Rex, une vie tranquille, qui est faite de combats contre des Triceratops, effrayer des Dilos, etc. etc. quoi. J'ai vraiment géré mon combat comme de la merde. Hein. Alors moi je me suis oublié, j'étais sur le Triceratops, j'ai oublié quoi. J'ai tellement vu gagner d'avance le combat. 1v1, c'est chaud contre Triceratops. Hein. Heureusement qu'il était un peu AFK. Hein. Coucou. Tu fais quoi? Tranquille, hein? Tranquille le Rex. Tu viens regarder ce qui s'est passé? Ouais, le combat millénaire.
Bon, bah, l'objectif, hein, ça va être de faire une vie paisible. Et puis voilà, pas plus quoi. Pas plus, hein. Là, on est vraiment dans la vie du Rex. Honnête. En bouffe. En chasse. En bois. Genre là, par exemple, vous voyez, ça c'est un exemple d'affront. Total. Je suis parti faire un tour. Bon, il fait nuit, tout ce que vous voulez, hein. Ça fait longtemps quand même. Et je reviens, il y a des Rex qui se sont installés ici, sauf que c'est pas du tout ma famille, quoi. Pas du tout, du tout. Vous avez pris ma carcasse? Ah bah casse-toi, casse-toi! Allez, cassez-vous! Ils ont volé ma carcasse, wesh! Allez, ça dégage! La racaille! Bah ouais! Pourquoi ce bordel là? Oh! Il y a des bruits! Il y a des bruits tout autour de moi! Il y a une carcasse ici, les gars! Vous l'avez vu, hein! Moi, je veux juste être paisible, bordel! Je veux juste être paisible! Donc laissez-moi en paix. Laissez mon Rex tranquille. Elle veut passer une vie tranquillou. Ah, une vie de Rex quoi. Là c'est mon nid là. Là c'est mon nid là, c'est chez WAM. Bon bah du coup il se passe quelque chose. C'est pas le meilleur endroit quoi. Clairement pas le meilleur endroit. Hein. Ça c'est des dilos, hein. Évidemment. Évidemment c'est des dilos, il fait nuit. Là c'est une question de territoire là. J'y vois tellement rien. C'est abusé quoi. Ça peut tellement partir en vrille quand t'es dilos en plus. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Y a des Rex aussi? Oh putain, il voit que dalle, c'est terrible. C'est terrible. Je vois tellement plus le croquer lui. Avec les arbres et tout là? Mon dieu. Grand lieu, grand lieu, je suis dans la merde. Ah, franchement, j'ai survécu à des gigas, pas pour mourir contre des dilos, hein. Il y en a combien? Pour l'instant, un. Voilà, il y a un peu moins d'arbres ici, on va se battre plutôt ici, hein. À côté, c'est un bordel, il y a des Rex dans tous les sens, j'ai l'impression. Je l'ai vu. Je vais pas courir. Bah en fait toi ouais, j'ai couru. Là c'est mon terre-terre les gars. Attention hein. J'entends. J'ai entendu des pas. Dilo de merde. Oh le bâtard. Hello ma carcasse. Oh, j'étais tellement pas prêt quoi. J'étais attends, je savais que j'entendais des pas. Je suis pas fou hein. Il est où ce dilo là? Ramène-toi wesh. Ramène-toi le dilo. Je vais le chercher lui hein. Je crois pas qu'il va s'en sortir comme ça. 1v1 Celeration contre un Dilophosaurus. Là je fais semblant. Ah mais il est trop long! Voilà, je l'ai eu! Eh ben! Défends le territoire, hein! Wesh! J'ai l'impression qu'elle est stérile! Trop vieille! Trop vieille, j'ai l'impression, la mémère! Elle s'est pris trop de coups! Son instinct la pousse à faire des nids, mais. Ah, j'ai l'impression que c'est fini, hein! J'ai l'impression que c'est fini! Pour elle! Les bébés ne veulent pas. Y a de l'incubation qui est terminée, les œufs sont prêts, mais rien ne se passe. Donc je pense que ouais, pour elle c'est terminé. Elle commence à vieillir, elle a plus l'âge de tout ça. Son instinct la pousse, mais elle a plus l'âge. Rexounette, c'est fini pour Rexounette, je pense.
Ok, je crois que j'entends des allosaures à côté de moi. Il y en a qui n'ont pas compris que c'était mon territoire ici. Bon, les œufs, ouais, définitivement, T-Rex ou Net, ça va pas fort pour les œufs. Je pense qu'elle va abandonner son nid, du coup. Ainsi que ce territoire pour retourner dans son territoire. Regardez, ils sont tous incubés, mais il n'y en a aucun qui fonctionne. Hélas, ils sont tous stériles. Alors peut-être que c'était le mâle, hein, en fin de compte, c'est pas un bon mâle, je sais pas. Je sais pas, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Donc on va abandonner ce territoire. Mais avant ça, on va marquer une dernière fois notre présence ici. Venez vous battre, les allos! Allez, venez, venez, venez! Mais ils veulent pas, hein. Là-bas, il y en a un aussi. Ah, c'est un spino, ça! Je reconnais. C'est mon terre-terre, ça, gros. Ça, c'est le territoire du T-Rex. C'est chaud, les spinos, par contre. Il y a une carcasse là. Vous voulez quoi, les allos? Y a des spinos. Il y en a un qui est plus petit, hein. Ouais, restez calmes tous les deux. Et vous? Les allosaures là. Bon, il faut faire comprendre au Spino que c'est pas le bienvenu, je crois, non? Sérieux? Ils ont fui? Ok. Bon, bah écoutez, je suis vraiment le patron, quoi. Je suis vraiment le patron, vas-y, les spinots là, ça dégage. Ça dégage, les spinots. Bon, bah écoutez. Écoutez, on va se casser d'ici, hein, tout simplement. On va se casser d'ici. On va rentrer au bercail. On va rentrer à la maison. Ça sera mieux pour nous. Au revoir, T-Rock. Maintenant, la vie de Rexounette va se terminer certainement à son lieu de naissance. Et ouais, c'est ça les animaux, ils retournent à leur lieu de naissance pour finir leur vieux jour. Hein. Donc on va aller par là-bas, bien que je ne sache pas du tout où c'est, mais bon, on va trouver au bout d'un moment, j'imagine. Ok, bon, je suis un peu deg, mais là j'ai tué un giga. Évidemment, il commence à faire nuit, l'enregistrement n'a pas marché avant. Je me fais contester par un Spino. Je vais le prendre le combat, hein. Rexonette est de retour, mais c'est chaud, hein. Spino, c'est chaud. Faut que je lui pète la jambe à tout prix. Je l'ai cassé la jambe? Je crois pas, hein. Je lui fais plus de dégâts que ce qu'il m'en fait. Mais putain, je suis deg, il fait nuit quoi. En vrai, je pense que je le tue, hein. Bon, je sais pas combien de bleed il me met. 32 bleed là? Ok. Je pense que je le tue en vrai. Je pense que le Rex est plus fort qu'un Spino, surtout avec Sounette. Ouais, ça commence à faire mal là en vrai. Ça commence à piquer un peu, hein.
Ça commence à picouiller. J'ai bientôt plus de stam, hein. Je vais devoir all-in. J'ai gagné? Non, les FPS ils sont pas beaux! Non, il y a eu un problème d'FPS! Oh non, je suis au bout de ma vie! Mais what? Pourquoi ça a bugué? Putain, ça a lagué quoi! Ça a lagué sa mère! Bah, tant pis, vous comprendrez, j'ai quand même mis la scène. C'est pas tout le temps qu'on fume un Spino! Mais ah, ça a un peu lagué, je suis deg, je suis au bout de ma vie. Je viens de le voir là, mais j'étais dans mon combat aussi. Aïe 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 aïe. Bon, je vous enlève les gammas pour voir cette carcasse proprement. Putain, je suis deg, y'a rien qui va. Y'a rien qui va, regarde. What? Qu'est-ce qui se trame? Mais wesh! C'est quoi ce gilot de merde, tu vois pas que j'ai une carcasse? Là je suis, à bout là. Il est où? Il est où ce con? J'ai une carcasse. Et Carnot, fermez là aussi. Au passage. Bah ouais aussi, tu connais pas les hitbox pété toi, je crois. Voilà, c'est n'importe quoi quand même. Et les hitbox du T-Rex c'est quand même, c'est tout un monde hein. En vrai... Bref, bon voilà, mais là, je suis un peu deg. Hein. C'était le combat avec le pire moment de la journée, minuit, mi-jour, et il y avait des FPS, pas d'FPS quoi. On était à 40 FPS pendant tout le combat. Vas-y, pourquoi j'avais ouvert des pages internet à côté aussi? Bon, ben Rexounette, on va prendre du service, hein, j'ai l'impression. Elle qui voulait juste rentrer chez elle paisiblement, mener une vie tranquille, mais là, je suis menaçant alors. Toi je te connais pas, lâche-moi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voulez vous battre? Vous voulez vous battre tous les deux là? Eh venez alors. Eh venez wesh si vous voulez vous battre. Eh viens frère. Viens le giga, viens. Viens le giga, viens, je te dis, viens. Tu vas où? Tu fais écrit agressif, tu te casses? Ah, j'en connais bien là les gigas. J'en connais bien là. Alors, ça sait pas quoi faire de ses pattes. Il m'a fait peur ce con. Viens, viens, viens là. Bah, c'est encore plus joli comme ça, un giga. Voilà, bah, il marche. C'est bon, ça fait 4 jours que je suis à côté de cette carcasse. Du coup, je vais essayer de rentrer à la maison. J'ai pas fait un gros chemin hein, depuis tout à l'heure. Là, vous voyez, Trirock, c'est là. En gros, je passais par partie pleine. Je remontais par ici. C'était un foutoir sans nom ici. C'était une boucherie absolue. Donc, bah, on s'est approprié une carcasse, après on s'est fait contest, partir en cacahuète, quoi. Et là, c'est encore une fois avec Sounet. A dû frapper. What the fuck? Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe? There is some Spino here. Vas-y, 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 les Spino là. Qu'est-ce qui se trame? Ils ont pas compris là ou comment ça se passe? Les gamins peut-être? Les gamins on les enlève, pas que ça soit trop lumineux. Vas-y, 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 allez-y, les Spino là, ils sont où? Ils sont où ces cons?
En fait, c'est toute l'île, c'est le territoire de Rexounette. Toute l'île. Il n'y a aucun endroit qui n'appartient pas à Rexounette. Il n'y a pas de Tree Rock, de là où elle est née ou quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a un qui a fait en plus. Toute l'île. Donc, il n'y a qu'un carnivore dominant ici, là. Vas-y, 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 viens, Spino, t'es où? Je te fume. Viens, je te fume. Oui, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, regardez, regardez, regardez. Vas-y, je vais le fumer. Merde, ah non, ils ont une carcasse. Ok. Ok, désolé les gros, désolé, désolé. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Désolé, désolé, j'avais pas vu, j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais pas vu, il y a une carcasse. Bouffez, bouffez tranquille. D'abord, c'est les victimes. Direct, ils ont fait des cris de victimes là. J'avais fumé. Bon, vas-y, 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 vas-y. Désolé, les frérots. On est retourné à Trirock là. Hein. Pas bon ça. Vas-y, je me casse. Allez, je rentre à la zone. Oh, regardez ça, regardez ça. Je savais, je l'avais entendu. Stégosaurus. Stégosaurus. Allez, sur le chemin, un dernier kill avant de rentrer à la casse. Putain, il m'a vu, c'est la merde. Il m'a vu. Je sais pas si en 1v1 c'est faisable, je pense que oui, hein. Je pense que oui, je pense que oui. Vas-y, faut que je le rattrape par contre. Viens là, frérot. N'aie pas peur. Ça ira plus vite. Moins de stress. Moins de stress si tu te donnes à moi. Viens là. J'entends un triceratops. Non. Il rejoint un troupeau. Oh le bâtard. Il rejoint un troupeau, le bâtard! Vas-y, il faut que j'essaie de forcer un peu! Putain, ma stam, ça risque de partir en cacahuète vénère! Hein. Putain, il est juste là! Il va se faire rejoindre! Bordel! Ah, fais chier quoi! Vas-y, font chier ce troupeau là de mort. Moi je veux le stego. Ouais, j'ai plus d'âme, j'ai plus rien quoi. Vas-y, le champ, je vais casser la patte. M'emmerdera plus. Ouais, les camas et tout quoi. Vas-y, c'est trop là, ce troupeau, c'est quoi? Allez, les Kama, barrez-vous. Faudrait que je casse la patte au tricé aussi. J'ai pas cassé la patte. C'est vénère quand même, hein. J'ai pas cassé la patte. Je suis pas bien, wesh. J'ai toujours pas cassé la patte. Bon. Vas-y, je m'arrache, c'est trop là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, j'entre à la maison. Encore une fois défait par ce troupeau, mais bah vas-y. Wesh. Vas-y, je m'arrache, j'entre à la casse. Putain, je suis deg quoi, le stego là qui était solo. On va se poser ici, hein. Et on se retrouve à la maison du coup. Voilà, ça y est, de retour à la maison. Je sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Mais c'est ici que le début de cette histoire s'est écrite. Il y a de ça très longtemps, fort fort longtemps. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait mes premières armes. C'est ici que Rexounette a appris à chasser. Donc je sais pas si cette histoire va continuer. Ça c'est à vous de voir. Je dirais même, tout ça c'est une autre histoire. Peut-être une histoire future. Peut-être que T-Rexounette va s'arrêter ici, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, cet épisode est terminé. Le retour s'est bien passé, il y a eu quelques tumultes quand même sur le chemin. Mais là, ça y est.
Pour l'instant, elle va couler des jours heureux, tranquillement, dans son territoire natal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, tchuss!